L'actualité ce jeudi, la pluie qui s'est abattue sur plusieurs communes du district d'Abidjan dans la nuit d'hier a fait place à la tristesse au quartier Mossikro d'Atekoubé. 5 morts et 3 blessés dus à un éboulement de terrain. Les forces terrestres de l'armée ivoirienne comptent désormais 227 membres supplémentaires. Après la formation initiale du soldat, ils ont été jugés aptes et présentés au drapeau national. Et en Syrie, l'issue du scrutin présidentiel est sans surprise. Il a obtenu 88,7% des voix. Bachar al-Assad a été réélu pour la 3e fois consécutive. Il prend la tête du pays pour 7 années supplémentaires. Bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI1. Bonjour et merci d'être avec nous. Un éboulement dû à la pluie d'hier nuit a fait 5 morts et 3 blessés à Mossikro dans la commune d'Atekoubé. Les populations se sont réveillées ce matin dans la tristesse et la désolation. Grâce Kando. La forte pluie qui s'est abattue cette nuit dans le district d'Abidjan a causé de nombreux dégâts. La commune d'Atekoubé paye le plus lourd tribut avec 3 éboulements de maisons. Au quartier Santé 3, l'on enregistre 4 morts chez la famille Koulibaly et 1 mort au quartier Akramas. Les circonstances de ce drame sont relatées ici par Koulibaly N'Golo, père de famille des 4 disparus de Santé 3. Sous un bruit de 3 heures passées, il pleuvait abondamment. Bon, on était couché dans la maison, j'étais dans la chambre avec madame, ma première fille et mon dernier garçon. Nous étions encore dans la chambre. Bon, comme l'eau pénétrait légèrement à la fenêtre, j'étais là, je n'ai même pas pu dormir, j'étais là, je tournais. J'ai entendu un coup, on dirait l'éclair, c'est descendu un coup sur nous. Je ne sais même pas comment c'est passé, c'est un coup, c'est venu bouger sur nous comme ça. Donc moi-même, par la grâce de Dieu, sinon je mourrais. Puisque j'étais complètement coincé entre le sol et puis le mur lui-même. Et la boue descendait, vraiment. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont secouru. Les voisins des victimes témoignent également. Sous la pluie, il y a eu un glissement. Il y a un talus qui est quitté en haut là-bas et qui s'est affaissé sur les maisons. Donc voilà comment le scandale est arrivé. Quand on est sorti, on a trouvé que vraiment c'était catastrophique. Des cas de blessés sont signalés. Les victimes au nombre de 3 ont été évacuées au CHU de Yopougon. Tristesse et désolation au quartier Santé 3 et à Kramas dans la commune d'Atekoubé. Reste que ces drames ne se reproduisent plus, pourvu que les populations entendent le message de l'Office ivoirien de la protection civile qui demande de quitter les sites à risque en cette période pluvieuse. À Grand Bassam, ville historique ivoirienne à l'est d'Abidjan, la capitale économique, c'est également la consternation au sein des populations. La cause, la montée inhabituelle du niveau de la mer. Elle déverse sur le littoral des déchets de toutes sortes. Serge Colléa a rencontré population et experts pour comprendre la situation. Selon les riverains, cela fait une semaine que le niveau de la mer monte à Bassam. Les vagues d'une hauteur inhabituelle envahissent la plage sur plusieurs mètres. Tellement de dégâts, fait plein de dégâts. Par exemple, casser les sites, casser les bungalows et les clôtures, faire fuir des clients, emporter même des choses. Les vagues rejettent surtout une quantité importante de déchets. Il y a des déchets biodégradables, il y a des sachets de déchets plastiques. Voilà, et on dit aux gens d'éviter de jeter tout ce qui est déchets plastiques sur le littoral. Parce que la mer ne fait que nous ramener la monnaie de notre pièce. C'est ce qui est jeté depuis Azuriti, depuis Vridi, qui est ramené ici par le courant de la mer. Les spécialistes indiquent que ce phénomène est naturel. C'est un concours de circonstances, le vent, la houle, et puis les caractéristiques morphologiques du fond de la mer. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas lutter de façon précise sur ce phénomène qui arrive. Là, je suis arrivé du Sénégal il y a 2 jours. Exactement le même phénomène s'est produit à Dakar, où la mer a transbordé le littoral, envahi les populations. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a mis en place un comité interministériel à charge d'étudier et de prévenir tous ces phénomènes qui touchent le littoral.
Et la montée du niveau des mers, une des causes du réchauffement climatique. La Journée mondiale de l'environnement célébrée aujourd'hui a justement pour objectif de soulever régulièrement les questions essentielles de la protection de l'environnement et ses conséquences sur la qualité de vie des populations et la survie de la planète. C'est une initiative du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la sensibilisation contre les activités humaines causes du réchauffement climatique. Et la protection de l'environnement, une préoccupation pour le gouvernement donc. Il a résolu de régler définitivement la question du ramassage des ordures ménagères. Un consortium d'experts va désormais se charger de la question. C'est une des décisions principales du Conseil des ministres tenu hier mercredi. Jérôme Kofi Abola. Un véritable casse-tête, le ramassage des ordures ménagères à Abidjan comme à l'intérieur du pays l'a toujours été. Préoccupé par cette situation, le gouvernement n'a de cesse de multiplier les actions en vue d'y faire face. Il s'agit pour les autorités de faire en sorte que la collecte, le ramassage et le traitement des ordures soient faits conformément aux règles en la matière. D'où la décision de confier ce service public à un consortium. Une décision prise lors du Conseil des ministres ce mercredi 4 juin 2014 au Palais présidentiel. Le Conseil a entériné la délégation du service public de gestion intégrée des déchets solides ménagers et assimilés du district autonome d'Abidjan, accordé au consortium américain Wise Solutions CDI. Le gouvernement a décidé donc cette fois d'agir très concrètement en approuvant cette délégation de services, donc qui va permettre à ce consortium de faire face à toutes les difficultés liées à la collecte des déchets, ainsi d'ailleurs qu'au traitement de ces déchets-là. Donc c'est toute la chaîne qui désormais va être prise en compte pour faire en sorte que notre cadre de vie soit amélioré, que nos populations vivent dans un cadre plus sain. Le Conseil a entre autres préoccupations parlé de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat qui suit son cours. Selon le porte-parole du gouvernement, le taux de dénombrement au 31 mai 2014 avoisine les 90%. Pour le gouvernement, si l'on en croit toujours son porte-parole, l'objectif étant d'atteindre les 100%, les efforts face aux difficultés doivent se poursuivre. Les récents événements au Mali et au Nigeria, au cœur d'une rencontre au sommet de l'État, le président Alassane Ouattara s'est entretenu sur le sujet avec le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, Jérôme Kofi Abola. Plus d'une heure d'entretien entre Saïd Guinit, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Échange ayant eu pour cadre le palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont longuement évoqué la situation dans la sous-région, notamment les Camaliens et Nigériens. J'ai évoqué un certain nombre de questions qui concernent la stabilité dans la sous-région et en particulier l'action de Boko Haram au nord-est du Nigeria et l'impact sur la stabilité de ce pays et de la région. Nous avons discuté de la situation en Guinée-Bissau. Et nous sommes réjouis du fait que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. J'ai tenu à saluer l'action exceptionnelle de la CEDEAO en soutien de la Guinée-Bissau. Et nous étions d'accord avec M. le Président de la République que maintenant qu'il y a des nouvelles autorités légitimes dans ce pays, il était important que toute la communauté internationale, Nations Unies, CEDEAO, Union africaine et les partenaires, se mobilisent pour aider ce pays à faire face aux différents défis socio-économiques. Nous avons évoqué la situation du Mali et nous avons déploré les récents incidents et nous avons réitéré le soutien de nos institutions respectives et de la CEDEAO, des Nations Unies, à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit être rassuré après cet entretien avec le président Alassane Ouattara quant à son engagement et sa détermination à toujours œuvrer pour la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique. 227 nouvelles recrues jugées aptes à intégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire et présentées au drapeau national. Elles ont toutes reçu auparavant la formation initiale du soldat. Abou Sanogo.
Au terme de la formation initiale du soldat, appelée traditionnellement formation commune de base, 227 recrues de forces terrestres intègrent les forces républicaines du Côte d'Ivoire. Cette formation constitue la phase où l'on fait passer le citoyen appelé sous le drapeau de son état de simple civil à celui de soldat par l'enseignement d'un certain nombre de valeurs, en particulier un savoir-faire et un savoir-être. C'est là qu'il apprend les rudiments du métier des armes et surtout les qualités du bon soldat, à savoir le soldat aguerri, discipliné, disponible, intègre et loyal. Devant la hiérarchie militaire, parents, amis aux connaissances, ces 227 recrues ont été présentés au drapeau. Une cérémonie qui a pour but de leur présenter le drapeau et les valeurs qu'il incarne. Il est impératif que vous ayez une grande conscience professionnelle. Vous qui aurez en charge la défense de l'intégrité du territoire, appliquez-vous à développer le culte du travail bien fait et à avoir la satisfaction morale d'accomplir vos devoirs. Les 227 recrues sont invités à avoir une conduite digne de ce renouveau tant recherché du militaire. Vous vous comporterez donc avec droiture. Vous respecterez les règlements en vigueur et vous serez des dignes représentants des forces terrestres. Cette présentation au drapeau clôt une période de 3 mois de formation au cours de laquelle ils ont reçu les bases du métier. Elle est un moment fort dans le parcours du soldat. Un défilé des recrues aux ordres du capitaine Mamadou Dao Ange, commandant le groupement d'instruction, a mis fin à la cérémonie. Des unités de production de Songon visitées par le gouverneur du district d'Abidjan et une délégation d'opérateurs économiques portugais. La mission portugaise en prospection en Côte d'Ivoire a été satisfaite de l'expérience entrepreneuriale des femmes. Le reportage de Patrice Kouakou, commenté par Abou Sanogo. La délégation des opérateurs économiques portugais et le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambe, se sont rendus sur les unités de production et de transformation de Songon. L'auteur du district d'Abidjan, Antonio Joaquim Henriquez, a fait le tour des étapes de production du manioc en Atiki. Entre autres, le hangar d'épluchage de manioc, le séchoir moderne d'Atiki et la salle de production. Un projet de transformation estimé à plus de 2 milliards de francs CFA. Le maire Antonio Joaquim Henriquez s'engage à établir des relations de coopération entre l'université de Viseu et le district d'Abidjan. Après l'unité de production de manioc, cap a été mis sur le terrain devant abriter l'unité de transformation de tomates d'une superficie d'environ 7 hectares. Projet d'un coût de plus de 242 millions de francs CFA. La fin des travaux est prévue pour le 30 juin prochain. À partir de la visite, le maire de Viseu a compris qu'il y a une grande possibilité de coopération avec l'université agricole de Viseu pour faire de la recherche appliquée et de la recherche utile à l'amélioration de tout ce que nous faisons par la récupération de tout ce qui rentre dans le système de fabrication de la tchèque. Nous avons visité un projet d'un entrepreneur portugais qui est ici, M. Alberto. C'est un projet très important parce que c'est un projet qui fait de l'occupation pour les femmes et aussi l'approvisionnement d'un produit naturel, d'un produit local. Le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begremambe, entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines et périurbaines des 94 villages du district d'Abidjan. Après plus de 40 années de service, le dispensaire d'Akoupézédji a été réhabilité par la Suisse. La Confédération suisse, troisième donateur humanitaire de la Côte d'Ivoire, a été représentée à l'inauguration de l'ouvrage par son ambassadeur en Côte d'Ivoire. Patrice Kouakou, Serge Colléa. Le dispensaire du village d'Akoupézédji, réhabilité et équipé par les soins du peuple suisse. Accompagné de Claude Bekedassis, secrétaire général du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, le diplomate suisse David Vogel-Sanger a procédé à l'inauguration de ce dispensaire. Le peuple attier a exprimé sa reconnaissance à la République de Suisse. Les différents intervenants ont salué la coopération ivoire-suisse et relevé les acquis de cette infrastructure sanitaire. Il souhaite son érection en centre de santé urbain avec affectation d'un médecin-chef, d'un infirmier, d'une sage-femme, avec un laboratoire d'analyse médicale. Réagissant aux marques de reconnaissance, le diplomate suisse a indiqué que ce don est celui du peuple suisse aux populations d'Akoupézédji, village de plus de 20 000 âmes.
Il a également dit son optimisme quant au repositionnement rapide de la Côte d'Ivoire sur le plan politique, diplomatique, économique et social. Son Excellence David Vogel Sanger a été fait fils du village d'Akoupezegui, membre de la génération Djoubo-Djenoui. Il quitte définitivement la Côte d'Ivoire au mois de juillet prochain pour son nouveau poste en Nouvelle-Zélande. Quelle stratégie adopter pour développer la région d'Abengourou, zone est de la Côte d'Ivoire? La municipalité, avec l'appui technique du Bénet, a planché sur la question. Les résultats de cette étude avec Abou Sanogo. L'amélioration des conditions de vie des populations d'Abengourou au centre d'un atelier de restitution, de planification, de validation du plan de stratégie de développement de la région. Il s'est agi pour toutes les forces vives de l'Indénié Ndjoablin de faire le diagnostic et d'établir le bilan de 8 mois d'activité effectués par le conseil municipal avec l'appui technique du Bénet. Les travaux qui nous occupent vont consister à valider et à enrichir ce diagnostic pour nous permettre que Abengourou soit une ville dotée d'équipements modernes et émergentes. Saisissant l'occasion, le préfet de région, préfet d'Abengourou Fadi Ouattara, a invité toutes les structures impliquées dans l'opération de tout mettre en œuvre pour sa réussite, et ce pour le bien-être des populations d'Abengourou. 4 commissions ont été mises en place. Les travaux s'achèvent ce jeudi. Le secteur immobilier ivoirien est en plein essor. Il s'agit de subvenir aux besoins grandissants des populations en termes de logement. Un nouveau venu en Côte d'Ivoire dans le domaine, la Compagnie Générale des Entreprises, CGE, avec une première opération de logements sociaux et économiques. C'est dans la ville de Grand Bassam. Reportage. L'épineuse question de logement en Côte d'Ivoire est en passe d'être résolue. En plus de l'opération de logements sociaux initiée, le gouvernement ivoirien encourage fortement la relance du secteur immobilier. Au nombre des entreprises prêtes à relever ce défi, la Compagnie Générale des Entreprises, CGE. Elle fait de l'adaptation qualité-prix une priorité pour satisfaire les populations, même les moins aisées. On a ouvert 2 divisions ici et actuellement nous avons 2 projets avec la BAD. Comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons procédé au lancement de nos activités de CGE immobilier en Côte d'Ivoire. Nous avons déjà signé une convention de 92,5 hectares. Sur ce site, nous comptons développer à peu près 3000 logements économiques et standing. Le déficit en logement à Abidjan est connu de tous. Il faut donc aujourd'hui encourager toutes les initiatives liées à l'opération immobilière. Forte de 18 années d'expérience dans la sous-région, la Compagnie Générale des Entreprises CGE entend réaliser la construction de pôles attractifs urbains en laissant une place de choix aux infrastructures communautaires et sociales de base pour un mieux-être des populations. Un accord cadre de collaboration entre le ministère de l'Emploi et l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire pour venir à bout du chômage, l'un des axes majeurs de cet accord, la mise en place au plan régional d'un fonds dédié au financement des initiatives pour les jeunes. Ben Touré, Gabriel Zani. 9,4% de la population active sont au chômage. Puis, 5,5 millions des jeunes souffrent aujourd'hui de l'inadéquation formation-emploi, selon le ministre de l'Emploi. Comment résorber le chômage? L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, s'implique dans la recherche de solutions. D'où la signature d'un accord cadre de collaboration avec le ministère en charge de l'Emploi. L'accord a pour objet de mettre en place, au plan régional, des fonds dédiés au financement des initiatives des jeunes, d'élaborer des stratégies spécifiques à la création d'emplois et au développement de la formation professionnelle en s'appuyant sur les caractéristiques socio-économiques des districts et des régions. Il va aussi permettre le transfert de compétences dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle. Selon le ministre Dosto Moussa, cette signature d'accord cadre s'inscrit dans la politique de décentralisation menée par le chef de l'État. Sous l'impulsion du président de la République, la Côte d'Ivoire s'est engagée dans un processus de décentralisation en vue d'optimiser la participation des acteurs locaux au développement économique, social et politique.
Parmi ces défis économiques, figure en bonne place l'emploi des jeunes. Une jeunesse sans emploi est une bombe à retardement, dit-on. Pour donc désamorcer la bombe, la RDCI et le ministère d'État, ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, se disent déterminés à venir à bout du chômage en Côte d'Ivoire. Quelle est la place et le rôle des journalistes correspondants de presse dans la grande famille de la presse? C'est la question qui a réuni une cinquantaine de correspondants dans la ville de Mans. Thérèse Yoboué. Le syndicat autonome des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire entendait créer une plateforme d'échange entre les journalistes. 3 jours de travaux ont permis aux correspondants régionaux de presse et agents de radio privée venus des 4 coins du pays de relever les entraves à la pratique de leur métier. Ces premières assises ont été aussi l'occasion pour les correspondants de l'intérieur du pays de renforcer leurs capacités à travers une conférence prononcée par Marceline Niepros et Boni 2012. Celle-ci a invité les journalistes de l'intérieur du pays à plus de professionnalisme en soignant leur image auprès du public. Marceline Niepros a aussi demandé aux patrons de presse de créer de meilleures conditions de travail aux correspondants. Invité à ses assises, Alfred Damoussa, directeur général de l'ISTC, est venu partager son expérience avec les jeunes journalistes. Je pense qu'en faisant le point de toutes leurs difficultés, mais aussi de toutes leurs joies, la Côte d'Ivoire ne pourra qu'avancer et avancer avec les correspondants régionaux. Les recommandations formulées seront transmises aux autorités compétentes. Les correspondants de leur côté ont pris l'engagement de respecter le code de déontologie du métier et accompagner la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Les meilleurs élèves de Ouangoloudougou, primés après une année scolaire bien remplie. Il s'agit pour cette ville du nord de la Côte d'Ivoire de promouvoir l'excellence et la saine émulation dans son système scolaire. Kader Sogodogo. L'année scolaire 2013-2014 est à son thème. Après le travail, la récompense. Dans la ville aux deux frontières Ouangoloudougou, la jeunesse scolaire méritante a été honorée. Une initiative des cadres du département avec à leur tête Traoré Drissa, opérateur économique. Ce sont au total 160 élèves qui ont été récompensés. Des récompenses constituées pour l'essentiel de tenues et fournitures scolaires ainsi que de téléphones portables. Il est à noter que les prix Miss Littérature et Miss Science ont été remportés par Soro Sienteni Fatoumata en classe de 6e avec 17,77 de moyenne en littérature et 19,13 en sciences. Le major des majors a pour nom Bam Hamoudou, également en 6e, qui a obtenu une moyenne générale annuelle de 17,02. Il s'adjuge ainsi le trophée éléphant d'or. Pour le parrain des primés, Traoré Drissa, la promotion de l'excellence à l'école sera soutenue par les cadres de Ouangoloudougou. La flûte de Torl, danse très ancienne dont la dernière apparition date d'une dizaine d'années, a bouclé la cérémonie avec ses notes distillées, apportant ainsi sa contribution à ce rendez-vous de l'excellence. À Tiassalé, ce sont les enseignants du préscolaire qui ont été honorés. Le préfet a salué le sens élevé du devoir dont ils ont fait preuve pendant cette année scolaire. Thérèse Yoboué. Des diplômes d'honneur à plusieurs enseignants, des trophées à d'autres, c'était à Tiassalé à la cérémonie d'hommage aux meilleurs enseignants de la circonscription de l'inspection préscolaire et primaire de Tiassalé 2. La directrice de cette inspection, Cécilia Dagbasta, a félicité l'ensemble de ses collaborateurs pour leur sens élevé du devoir, puis les a encouragés à poursuivre dans cette voie dans l'intérêt des enfants et de l'éducation nationale. Plusieurs autres intervenants, dont le préfet, ont encouragé les enseignants dans la poursuite de leurs efforts pour l'excellence dans leur inspection, mais les ont exhortés également à changer de comportement pour redorer l'image de l'école. Ils ont invité les uns et les autres pour la protection et l'éducation de la petite fille, à lutter contre la violence basée sur le genre, à prendre l'engagement d'assurer la santé sexuelle des adolescents et adolescentes. Le parrain de la cérémonie a demandé aux enseignants d'aider les enfants à sortir des champs pour prendre le chemin de l'école. Remise de matériel et planting d'arbres ont mis fin à la cérémonie.
Un club d'éveil et de leadership au Collège moderne de Bingerville. Les élèves membres du club entendent s'appuyer sur ce concept novateur pour exceller dans leurs études. Doua de Lazia. Comment se responsabiliser et être un leader d'opinion demain? C'est l'objectif de la création du club de leadership au Collège moderne de Bingerville. Les élèves inscrits dans ce club apprennent plusieurs activités éducatives telles que l'animation, la présentation, la musique et la conférence de presse. L'initiateur de ce programme de formation veut permettre aux apprenants de vaincre la peur et de s'exprimer avec conviction en face d'un public. Alors, à travers les centres de leadership, on leur apprend à développer la confiance en soi. On leur apprend à se déterminer eux-mêmes. Donc, il y a le sens de la responsabilité. Pour les élèves du Collège moderne de Bingerville, le club de leadership est une véritable école. Au club de leadership, on a des séances de formation sur comment se tenir en classe, les différentes manières pour pouvoir avoir de bonnes notes en classe. Lorsqu'on est dans ce club, on apprend à s'exprimer, on évite d'avoir peur et ce club nous permet d'avoir de bonnes moyennes en classe. Depuis la création de ce concept, il y a environ 10 ans, le taux de participation des élèves au club de leadership dans les collèges et lycées à Abidjan s'accroît progressivement. Les parents s'y impliquent activement pour l'éducation de leurs enfants. Il a obtenu 88,7% des voix. Bachar al-Assad a été réélu pour la troisième fois consécutive et sans surprise à la tête de la Syrie. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a qualifié le scrutin de non-élection. La participation a quant à elle atteint 73,4% selon la Cour constitutionnelle. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier mercredi la classe politique dont les partis de la majorité puis ceux de l'opposition. Au menu des discussions, l'état du pays et notamment la situation dans le nord. Il martèle que seul le dialogue pourra conduire à une paix durable et il soutient les accords de paix de Ouagadougou. Les nouvelles attaques de Boko Haram contre 4 villages du nord-est du Nigeria. Le bilan de cette nouvelle vague de violence est estimé à des dizaines de morts et des centaines de maisons totalement détruites. Et parlons sport, football, match amical en prélude au mondial du Brésil. La Côte d'Ivoire a battu le Salvador sur un score de 2-1. C'était hier soir à Frisco, au Texas. La sélection de Sabri Lamouchi va affronter la Colombie, la Grèce et le Japon dans la poule C au Brésil. Et au Cameroun, c'est la mascotte et le 12e joueur qui s'active à la veille de cette Coupe du Monde. C'est une figure incontournable de l'équipe nationale de football du Cameroun. Gando, la mascotte. Aux couleurs du drapeau, il est de toutes les fêtes, comme ici quand le Cameroun s'est qualifié pour la Coupe du Monde de football 2014 au Brésil. Gando Piquet a 59 ans. En 1998, il part pour la Mauritanie. Il veut embarquer pour l'Europe. Son amour du football est plus fort. Il décide de rejoindre les joueurs de l'équipe camerounaise au Burkina Faso à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Il se fait faire un costume et devient malgré lui la mascotte officielle. Quand je suis sorti avec cette culotte, ce gros caleçon, avec le couleur vert jaune sur moi, j'étais suivi au moins par 50 caméras qui me suivaient derrière. Tout le monde voulait me prendre, tout le monde voulait savoir qui je suis, d'où je viens. Depuis ce jour, depuis 1998, je suis avec les Lions indomptables. Il n'y a pas un jour où j'ai failli. Parce qu'il n'a pas failli, Gando devrait suivre son équipe au Brésil. Seulement voilà, pour l'instant, il devrait partir seul. Pas de place prévue pour les membres de son groupe. Alors, Gando a écrit à son ministre pour qu'au moins deux d'entre eux puissent l'accompagner. J'ai espoir parce que vous savez, le ministre est un sportif de haut niveau. Il connaît la chose, il connaît ce que c'est. Et ce qui me laissera comme ça, c'est que quand, si je suis seul, Il n'y a pas grand-chose. Mais si je suis avec mon groupe, il y aura beaucoup de bonnes choses. Gando fait partie de ces inconditionnels des lions indomptables et ils sont nombreux au Cameroun. On les appelle communément le 12e joueur. Ils représentent le public, les supporters. Cette année, l'artiste camerounais Jorer en est le représentant. Il veut mobiliser les Camerounais. C'est lorsque le lion est en difficulté que le 12e joueur doit vraiment jouer son rôle, c'est-à-dire devenir un chevet de lit, d'apporter l'espoir, le soutien. Le prix du billet pour le Brésil est dissuasif pour les Camerounais, même quand on est un fan de foot. Pour se consoler, ils pourront toujours chanter l'hymne, écrit spécialement par Jorer, pour supporter les Lions indomptables. Allez, allez, et fais-nous vibrer, comme un seul homme debout.
Et voilà, les images de ces supporters très motivés du Cameroun mettent fin à ce 13h. Très belle journée à vous sur RTI 1.